bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue. J'ai plus que ça comme arme, qu'est-ce que j'ai fait? Ou moi j'ai dû balancer des trucs qu'il fallait pas. Oui, tout à fait. Disponible. Ah, parce que j'ai pas vendu, j'ai... Ah oui, d'accord. Découverte spéciale, c'est quoi? Ok. Matadozo. Est-ce qu'il est arrivé, pêcherette, à son œil? C'est con, j'ai vendu un truc. Enfin, j'ai démonté un truc qu'il fallait pas. Un peu couillé là. Alors. Je pense que je vais partir là-dessus. Cette mission là. Mission secondaire. Alors. Ah, mais je suis déjà allé dans cet endroit là. Ok, je retourne dans les ruines. C'est une quête annexe qui me permettrait apparemment de trouver deux nouveaux esprits protecteurs, ce qui est plutôt cool. Deux d'un coup. Wow, ok, une chaîne. Je ramasse. Attention. Ah mais c'est lui là-haut là. Ok. Ça m'aura plus pendant 2 secondes au moins. Ah oui, alors faut que je re-règle les paramètres parce que hier j'ai... Enfin, donc c'est ce matin, j'ai fait de la recherche d'objets et... Ah, je vais laisser un peu parce que quand même là... Ah, c'est plus joli comme ça. Ça faisait tout délavé là. Wow! Ah oui, il y a du. Ah oui, il y a du. Ouais, il y a du monde là. Oui, je l'aime pas trop lui. J'aime pas trop lui. Vacherie. Oh, putain de merde. Putain, il met des gifles lui. On est pas. Il est très costaud lui. Ah
Il est comme que dalle. Ouah. Aïe 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 aïe. Yo, c'est Zozo. Ah, un gros monsieur très méchant là. Une grosse langue qui voulait me faire des grosses léchouilles. C'est un nouveau monstre apparemment, très très con. Ah, un autre ici. Ah, petit coffre. Donc apparemment ici je pourrais débloquer deux nouveaux esprits gardiens. Dans une seule et même quête, ce qui est plutôt putain de saloperie de poison mais roupestre. Les peintures roupestres, c'est les peintures faites avec les couilles. Pardon, oula. Claude dedans il n'y est plus là déjà, j'ai buté. Gros tarif pour toi, tiens, fallait pas me faire cailler. Oui j'ai le bœuf en ce moment, j'ai pris le. C'est quoi, c'est un buffle non? Je suppose. Oula. Allez dedans vous. Alors ce qui est cool c'est que eux quand on les tue, on récupère une lame en feu pendant quelques secondes. Moult dégâts. À qui tu es mort toi? Chute mortelle, d'accord. Et je suis un badaboum. Ah. Putain, j'ai relou aux bombes là. Dégage. T'as mort. J'ai mon pouvoir du buffle incroyable qui est chargé. Alors ça je vais le taper parce que je vais encore me faire avoir là, ça va me tirer du poison ou je sais pas quoi dessus. Par quoi ils se sont fait tuer? Empalé par Oni Udo. Ok Michel. Il est où ce Kono? Là, ah, là-haut. Là, il m'a réussi à me tirer dessus ce foulu. Merde! J'ai plus de. Pêche! Est-ce qu'il y a des trucs sur le toit à récupérer là ou pas? Oui. Hop là! Avec ce genre d'armure, je ferai pas trop de cascade moi. Je vais voir l'autre pitre qui m'envoie des flèches là. Oh, il y a une statue. Oui, il y a une statue pas contente là. Pas content, pas content. Ouch. Ah oui, voilà, putain. Il tape doucement mais comme il faut celui-ci hein. Alors. Monsieur le squelette casse-couille là. Voilà, merci. Dégagez. Ah mais il y a toutes les ruines en dessous aussi, j'avais oublié. Comment va Zozo? Venu voir William avec sa grande lame. L'autre qui me met une gifle direct.
Là-dessus? Ouais. Ah oui, tiens, une andouille. Hey, dégage! Oh non! Bah! Il y a que des Kodama guidés ici? Je savais pas du tout. D'accord. Ah bah. Ok. Pas du tout, du tout. J'ai pas fait gaffe. À ce moment-là, j'en ai entendu un autre en dessous. Là. Le tarot. Alors. Ok, bah, y aura un autre gros démon du cul là-dedans, là. D'abord, faire de la place autour, hein. Lui là. Oh! Tranquille! Oui. J'ai une nouvelle attaque à l'épée là que je peux faire. Et ici. Ah bah! Y a un Kodama ici aussi. En fait, il y en a ici! Pourquoi la dernière fois que je suis venu ici, j'ai pas fait gaffe qu'il y en avait ramené? Allez, rentre à la maison, toi. Oui. Chuchu. Tout à l'heure, j'en ai entendu un, là. J'étais dans la montée. Ah, là, en dessous, en fait. Oui, j'en ai vu un. C'est ça, je l'ai bien entendu. Petit boubou qui est là, là. Alors, toi, là. Rentre à la maison. Eh oui! Toujours à se paumer là, cette pile. Mais ils sont tellement chouchous. C'est du coup si je n'ai pas oublié par ici. Non? Pas de petits bobos cachés dans les coins? Allez, je remonte. Regardez. Ah! Bah voilà. J'ai vu qu'il y avait un petit. Regardez un petit peu mieux du coup. Je sais pas combien il y en a dans la zone en fait, pour le coup. Pas regarder. Voilà. Du coup, je tout foireux, voilà. Ah! Non. Non, j'en mets chemuche, non. Ça dégage. Ah mais non, putain. Tu de merde là que je suis. Je suis empoisonné là, fait chier. Bonsoir, c'est William. Qu'est ce poison là? Je fais lui d'abord avant d'aller dans le. Dans le tru. Apparemment lui c'est mon objectif. Je peux aller faire le tru après. Il faudrait quand même qu'à un moment ou un autre je me décide de me mettre de là. Comment ça s'appelle? Un antidote ou un truc comme ça? Tiens, par contre, moi, je vais mettre du poison sur mon épée. Voilà. Ah, c'est encore ce machin-là. Ah, mais... Il est poisonnier, lui. Ah. Je les aime vraiment pas, ces nouveaux trucs, là. Costaud, là. Putain, dis donc. Ah, mais je sais. Par le pouvoir du buffle incroyable. Oula.
Et Michel. Voilà, ça suffit. Ok. C'est bon. Ça c'est fait. Et vous là? Donc eux ils me donnent une lame de poison, c'est ça quand je les éclate. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Charme de vent. Et rien à foutre. Donc apparemment ce que je cherche, ce sera plutôt dans les ruines. Je passe en haut du coup peut-être. Je vois. Donc oui forcément moi j'avais mis un truc de poison pour me battre contre un ennemi qui faisait du poison. C'est... Mais je savais pas. Je ne le savais pas. Ah oui, puis j'ai testé ça aussi là. On a qui est vénère là, la chaîne avec la faucille là. Ça tabasse pas mal ça en fait. J'ai du mal encore un peu à m'en servir, j'ai trop l'habitude de... Katana. Enfin du méga katana du coup. Alors. Qu'est-ce que tu veux toi? J'aime bien me servir de cette arme, c'est marrant. Un peu fun. La merde, je suis descendu alors que... Il y avait un raccourci, j'aurais pu faire tomber l'échelle. Bon, c'est pas très grave, je l'ai fait la zone du haut, on s'en fout. Qu'est-ce que quoi? Je viens de me prendre une putain de caillasse dans le cul. Aïe aïe! Aïe, mais... Ah, oh, c'est quand même moins efficace hein, ce truc. Hein. C'est sympa de se battre avec, mais c'est... moins efficace que la méga lame de ouf, là. Qu'est-ce que quoi? Oui, oula! Bonsoir! Le pouvoir de l'eau. J'ai des attaques à coups de Volvic. Monsieur, bonsoir. Et coucou. Aïe. Ah. Con, con. Là j'ai plus d'élixir, là c'est chaud là. Je n'ai plus de vie. Ça va pas le faire. Oui bon toi on avait compris. Petit élixir là s'il vous plaît, petite potion là. Hop, ah, ah. Il y a un Kodama dans le coin là, j'ai entendu. Ça fait bruit, bruit. Où est-il? Où es-tu petit Nigo? Fallait pousser le couvercle de ces trucs là. Il s'était pas enfermé là-dedans au moins.
banane. Attends, c'est derrière le mur. Là. Oui, je t'entends, j'arrive. Non, c'est pas des faux murs. Oh, il doit être là-bas à droite, allez. Oh. Qu'est-ce que... Bizarre, ça. C'est un double. J'avais pas vu venir celle-là. J'avais pas vu venir. Il m'a fait mal. Ding. Bon, je suis passé par là du coup. Dans ce coin, quoi? Mais ça va pas, non? Putain, du coup, je sais plus du tout d'où je viens. Yada! Ah, mais. C'est mon. Mon bœuf qui est de l'autre côté. Bah oui, tout à fait. Putain, je me suis pris du poison encore. Ah oui, mais c'est vrai que quand on les bute, ils reviennent pas à eux. Ça, c'est une très bonne chose. On va marcher sur un piège. Ça devenait un petit peu plus résistant, ça me fait chier. Non. Oh, un bordel. Putain, j'a... Très couillon parce que j'essaye de placer une technique mais en fait ça ne me sert pas à grand chose. Des patates. Bon là il y en a un là. Ah oui ça suffit. Maintenant je sais que tu es là. Non mais non. On peut pas trancher mille fois une personne. Aïe. Ouh, qu'il y a une patate là qui m'était tombée sur le coin de la quiche là. Là. Là où j'ai entendu, voilà, qu'il y avait un petit bibu qui était derrière, caché. Je sais pas où, je sais pas comment. Y'a pas une... Ah, y'a peut-être une pierre ou un truc à faire tomber. Déjà, lui... Ah, il peut pas... Par hasard, il peut pas casser ça, lui. Oula. Je l'avais senti venir pourtant. Oui, bah alors le squelette, tu te... Oui, tu te niques, j'en ai rien à foutre. Ah mais j'étais là. Carrément pas fait gaffe que c'était ici en fait. L'histoire. Ah putain. Non mais je vais pas du tout dans le bon sens là en fait. Par là-bas.
Donc là, ça a dû libérer le... la salle avec le petit bubu dedans. C'est ça. C'est tout à fait ça. Il doit être par là. Oula. Il doit être vers ici. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, il y a Yandou qui me lance des bombes. Non ! Mais arrêtez avec les boules là ! Mais c'est pas vrai ! Mais enfin ! Ça, c'est le festival de la boule magique là ! Je te jure. Tu meurs juste là en plus. Mais non, non! On appelle Jean-Claude, fabricant de boules magiques. Hop! Et tu es mort-mort toi ou tu es mort juste pour de rien? Mais. Je comprends pas du coup. Descends toi! Il est con celui-ci, non? Oh! Je me suis paumé, mais de ouf. Mais n'attrape pas ça, on s'en fout. Voilà. Moi, oh, c'est pourquoi j'ai entendu un petit machin par ici. Je le vois nulle part. Alors, ça... Bon, ça retombe pas là, c'est bon. Oh, y en a un qui va bouger là, lui là. Voilà. Je le savais. Lustromon là. Par contre, il y a des merdes aussi sur les côtés. J'ai pas envie qu'ils m'emmerdent pendant le combat. Voilà. Saloperie. Derrière lui, je pique le bidule. Et autre chose. Voilà, merci. Bon, ça va être encore un gros machin là, oui, voilà. Wow, wow. Il me reste toujours une petite andouille cachée quelque part là. Je ne sais pas où. Pas où ? Qu'est-ce qu'il va être ce petit pitre ? Je vais tous me les prendre bien comme il faut. Ah mais je crois que je peux plus prendre de dégâts parce que j'ai terminé la mission, c'est ça? Où est-ce que je l'avais entendu? J'espère qu'ils disparaissent pas une fois que la mission est terminée. La fin.
Voilà. Par ici que j'entendais. Mais oui. Mais alors. Bah. Ou quoi comment. Hein. Ah y'a. Ah. Y'a un Traou là. Ou c'est de quoi. C'est que ça mène ça. Enfin. Je sais pas trop. J'ai voir la surface peut-être. Ouais, ce trou là. Bizarre. Moi, il y aura un trou pour aller là-dedans. Mais où ? On sait foutrement rien là. Pour des elches. Où est-ce que ça va être ? Où est-ce que ça va être caché ce bidu ? Hmm. Quand je reviens sur mes pas, il n'y a rien, ça me bloque direct. Hein. C'est le début, oui, c'est ça. Donc ça va être d'au-dessus. On va avoir un endroit où je peux tomber. Mais... je l'ai pas trouvé. Ah là, là j'en avais récupéré un. J'ai pas l'air d'avoir de grotte quoi. Ah. Ça peut bien être ce tuyau. Ça doit pas être si haut que ça en plus. Parce que là, j'ai descendu, y'a rien là. Pas de tunnel ici. Pas de grotte ici. Ah ça j'aime pas, hein. Laisser un truc là. Ça j'aime pas du tout. Bizarre, c'est que je pense pas que ça soit si haut perché. À moins qu'il y ait vraiment un passage dans la montagne que j'ai complètement raté. Il est quand même vachement possible. Mais ah! Il suffit! Est-ce qu'il y a une espèce de mur yokai caché quelque part sinon? Peut-être ça. Parce que là en vrai je vais.
Ah, sinon je vais redescendre dedans. Je vois pas de dieu sur les murs, donc je suppose que pas ici. Il n'y en a pas non plus. Faut que je recherche les yeux sur les murs. Là! J'ai trouvé. C'est là. Enfin! Allez, réveille-toi! Il ne va pas se. Avec ça, peut-être? Je m'équipe avec l'arc. Je vais tirer dans les yeux. Donc, en effet, il y avait un mur illusoire à la con. Je vais changer du canon de portatif parce qu'en fait, je peux pas m'en servir super souvent. Voilà. Prendre l'arc, et l'arc en plus je crois que j'ai réussi à stocker des flèches depuis un moment. Ah miss, je viens de comprendre, il va pas se déclencher parce que j'ai terminé la mission. Je recommence. C'est pas grave, je peux aller ici directement faire le mur. Par contre, il faut que je retrouve l'endroit où il y avait la salle. Je termine la mission quand même, je la valide. Gagne mes deux esprits et que je retourne dans ce niveau pour aller rechercher le pauvre petit bubu qui est perdu. Maintenant que je sais où il est. Caché derrière un méchant mur. Oui, parce qu'en fait, quand les missions sont terminées, on peut plus prendre de dégâts, tomber ou quoi que ce soit. Donc j'ai deux nouveaux esprits, ok, et puis j'ai des trucs pour fabriquer des armes. Voilà. Réceptacle d'esprit gardien. Ah oui, c'est moi. Alors c'est quoi ces nouveaux esprits gardiens? Donc, il y a Isonade. Ah, c'est le poisson. D'accord, alors en fait, c'est tout con. C'est au début du jeu, on me demande de choisir entre ces trois esprits. Feu, eau et vent. Et donc, à un moment dans le jeu, on peut récupérer les deux autres qu'on n'a pas choisi, en fait. Voilà, donc c'est bon, c'est ce que je viens de faire. Ok, Dak. Ok, ok. Alors, est-ce que je peux monter en niveau? Ah non, bah non, dis donc, je peux pas monter en niveau encore. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans le niveau en vitesse. Ça, hein. 3 sur 4, c'est ça. En fait, j'avais pas vu qu'il y en avait bien. Mais... donc, je vais y aller, je vais choper les petits loulous qui me manquent. En allant tuer le mur, là, le faux mur. Et du coup, je pense que je vais y aller en courant, en traçant comme un ouf. Je vais vraiment y aller à la bourrin, espérant que ça passe. Ah, c'est fait. Il est. Pas que je crève contre le mur. D'ailleurs, je vais faire tomber l'échelle au cas où il y a un problème. Et tuer le con de monstre qui est là. C'était pas avec ça que je voulais m'équiper, mais c'est pas grave.
Ok, donc le vilain mur. Et donc là, voilà ce petit tout là, il est là. Eh oui, Nounouille, qu'est-ce que tu foutais là? Allez, à la maison. Ok, bon bah c'est bon, je peux du coup dégager. C'est avec ça, hein? Ouais, de quitter la mission et de reprendre au point de départ. C'est bon, c'est fait. Mission sauvetage. Vérifier vite fait mon inventaire par contre, j'ai chopé des trucs, je crois pas que j'ai chopé grand chose de bien fifou. Par contre. Ouf, beaucoup trop de merde. Vachement mieux aussi. Là, ta marde. Là, il y avait un masque qui avait l'air de faire bien peur par contre là. Celui-là là. Oh lolo, la quiche. Salut, c'est William. Ah oui, il pense à race là. Je vais remettre ça quand même, hein. Ce petit cordon sous le menton. Non, tout ça, non, ça ne m'intéresse pas. Non. Non. Ah. J'en veux pas. Donc je vais donner tout ça, je pense, au sanctuaire. Faire une offrande. Par contre, ça je vais le garder. Je vais tout le reste. Non, le canon. Le canon, je le garde parce que celui que j'avais était pas ouf. Voilà. Ça c'est bon pour les armes. Ok. Les armures. Tac tac tac. Ça dégage. Tac tac. Voilà. Parfait. Alors let's go pour la prochaine mission histoire. Alors j'ai envie de dire. Faire ça, je vais voir juste un truc. Allez, let's go. Donc, l'océan gronde encore. Oh bah pff, qu'est-ce que ce casque, mon dieu. Putain, il a une touche, celui-là. Ces rumeurs de fantômes qui a enterré Itsukushima terrifient l'équipage. Nous, les Kobayakawa, sommes peut-être les maîtres de la mer, mais notre expertise ne s'interrompt pas au surnaturel. Si vous vouliez chasser cet esprit, Anjin-sama, nous serions heureux d'arranger une entrevue avec les Murakami. Il devrait être capable de réparer votre navire étranger. Je serais même prêt à aider le seigneur Ieyasu en échange d'un dédommagement. Ok, donc il y aura plein de petits bébés à sauver. 5, 6, 7, 8, 9 petits boubous à sauver. Ce niveau. Ça doit être un grand niveau. Itsukushima dans le domaine d'Aki est un temple construit au XIIe siècle au-dessus d'un bassin d'eau sacrée, aujourd'hui contaminé par de l'énergie yokai jusqu'à un point critique. Le chef précédent de la famille Kobayakawa,
Kage a pris grand soin de reconstruire et protéger les temples de l'Ouest, mais Hideaki n'a pas été à la hauteur de cette tâche, et la zone est aujourd'hui infestée de yokai et de pirates. Ok. Let's go. Voyons voir cela. Oh, ça a l'air joli ici, tiens. Ça a l'air joli comme tout. Ah oui. Il y a des petits bateaux au bord de l'eau, tout ça, là. Ouais, ouais, ça a l'air cool. Est-ce que je vais tomber dans l'eau comme une patate plein de fois? Nous ne le savons pas encore. Le temple, ça c'est pour prier. Ah! Ma copine magicienne avec son chapeau rigolo. Bonsoir. Merci de votre venue, le serviteur du seigneur Hideaki m'a informé des détails. Le yokai en question se sert de cet endroit comme son repère. Jin Sama, je vous demande d'emporter ceci avec vous. J'ai reçu un silex et une amulette de feu. Donc apparemment, si elle me donne ça, je veux pas être... Je pense qu'il faut changer d'esprit gardien et partir sur un truc de feu. Je pense. Donc je vais reprendre mon esprit protecteur de base. Merci. Je vais reprendre Kato. Voilà. Mon loup de feu. Et partir en balade. C'est joli, et puis il y a les pirates relous qui viennent me relouper, voilà. Super. Bah oui monsieur, mais enfin, bon, à un moment aussi, comment dire, c'est un petit peu casse-couille. Oh, il a pas tourné sa tête au bon moment celui-ci. Voilà, c'est fait. Où il est tombé lui? Découpé par hors la loi. Là on quand même. Ah, au moins se noyer quoi. Ça bien. Ça se vautrer. Donc elle m'a donné un gros indice quand même la dame. Hein. Alors lui là, là-bas là, il m'a pas vu encore. Là. Moi je l'ai vu. J'aimerais bien. Il n'est plus de tête. Voilà. Ça c'est fait. Voilà, il y en a d'autres. Ok. C'est bon. Il y a des moments dans le jeu quand même, ça défoule de ouf quand même, hein, de découper ces gens là. C'est mal. Hein. C'est rigolo, mais c'est salaud. Oh, bah alors. Monsieur a le Fundoshi à l'air. Voilà. Ok, donc il y a moyen de se péter la gueule dans la flotte si j'ai bien compris. Ça. J'sais pas trop si ça va me plaire ici, là. Histoire là. C'est ultra joli, par contre j'adore. Un temple immergé comme ça, c'est vraiment cool. Alors lui il m'a pas vu non plus là-bas là. J'ai pas la portée? Ça? J'ai peut-être pas la portée. Ah si. Mais par contre j'avais pas la puissance. Putain, c'est Oui, quoi? Ah! Oui. Ah! Un petit bébé caché là. D'abord, je vais m'occuper du monsieur là. Ah, plus la tête! Ah, merci. Toi là-bas, là, mon grand, là. Adios. Retourne chez toi, petit con. J'en suis un, il en reste plus vite. C'est vraiment le but de mon jeu, c'est sauver, sauver tous les petits boulots. Hein. J'en ai rien à foutre du reste. Bah oui. Tiens donc. Bonsoir. Là, il me voit pas, là. J'ai fait une princesse Shitaka là.
Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Enfin, il s'était caché. Toi, t'es un coquin, toi. Hein. J'adore tous ces lieux abandonnés, là, tout crasse-coq, là. C'est tellement cool! L'étoile d'araignée, non, hein. J'ai bien donné au niveau des araignées, on va se calmer. Vraiment que je fais. Vraiment falloir que je fasse gaffe à là où je marche. Ouais, c'est. Risqué. Ah, il faut allumer les feux? Ah, c'est ce qu'elle m'a demandé, la dame, en fait. C'est ça, d'accord. Allez! Rêve le stick. Rêve-toi. Merde! Zbra! Ah! Ah, mais il avait un casque! Il avait un casque, c'est pour ça. Il est pas mort direct. En tout cas, il a l'air fâché. Hein. Fâché tout plein. Oh! Ouais, ça a l'air d'être un costaud. Je vais pas pouvoir le niquer comme ça, celui-ci. Bon, ouais, c'est un peu... C'est à la fois une très bonne idée, je trouve, d'avoir fait ça, le temple immergé. Et à la fois, une, vraiment une grosse idée d'enculé, quoi. Le chat, là, jumpscare. Oh, lui, donc fais pas ton cul béni, toi. Putain. C'est vraiment pas le super spot, voilà, pour se battre ou quoi, hein, ce genre d'endroit-là. Ah. Évitera des frais de kiné, ça. Bonsoir! Quoi? Ouais, ouais, bonsoir! Au milieu, je gifle bien. Oui? J'ai été trop bourrin. Et voilà, pareil, j'ai appris un nouveau truc, c'est que je peux finir mon combo par un coup dans la quiche. D'un ennemi, qu'est-ce que je fais? Bah j'arrête pas de le faire. Alors que bah il faut attendre des fois avec ce genre d'ennemi. On va les faire tout de suite. Ah non, merde, il m'a vu. T'es sérieux toi là? T'arrives pas à te décaliner la tête là? Après tout ça là? J'ai gâché une quantité de flèches astronomiques juste pour prendre en deux. Complètement déconné. Yo le connard là qui m'a... m'a gonflé là-bas là. Il est là. La tête. Pine d'huître. Oh, putain, c'est vraiment pas le point là. Putain, je suis tombé dans l'eau! Oh! Oh, que ce niveau est vil! C'est tellement con! Putain! Ça va être débile! Un sacré paquet de gamelles en perspective là! Et les flèches. Même pas de l'arquebuse, les flèches. Bah dis donc. Ok, lui il a dégagé d'un coup par contre.
Dégage, s'il te plaît, merci. Donc là, il y a le yokai. Enfin, je suis pas obligé de rester comme un fou furieux sur lui. Ah, surtout qu'il va faire ça. Bombe et rêve, merci. Ouf. Ok. Alors, il y a le vraiment mollo dans ce niveau-là. Hein. Heureusement que j'étais ici. Il m'a pas vu du tout. Il me verra plus. Il y a plein de gens qui sont tombés dans l'eau, je pense, à cause de lui. Là. Ah, et il y a un petit loulou caché là derrière. Là. Voilà. Viens là, toi. Allez, rentre à la maison. Putain. Oh, le niveau de merde. Il y a un temple là. Ok. Putain. C'est récupérer ce truc au milieu. Avant de me faire crever la paillasse. Ils ont pas été bâtards, ils ont mis un temple très vite. Un petit sanctuaire là. Et très vite. Non ! Mais je suis si con ! Oh mon dieu, non, j'y étais au sanctuaire et je tombe dans l'eau. Ah bah je comprends pourquoi ils en ont mis un si près là. Putain, mais quel couillon quoi. Voilà bas. Hein ? Sérieux quoi ? Alors j'aimerais savoir une chose, pourquoi William au début du jeu arrive en armure de plate à nager et là il n'y arrive pas. Alors les armures japonaises sont censées être un peu plus légères. Je dis pas très bien. Bon, dans tous les cas il devrait pas pouvoir nager en armure. Mais... Ok, ça c'est fait. Bah je peux peut-être passer par là directement en fait ce coup-ci là. Le type qui dort. Oh putain, je l'ai buté dans son sommeil, ça c'est un petit peu dégueulasse. Ok, j'ai récupéré mon esprit. Ah mais putain, voilà pourquoi. En fait, je me suis fourvoyé, on ne peut pas du tout y aller tout de suite au... Faut faire un putain de tour. Ah ouais, d'accord, ok. En fait, non, c'est pas bon du tout. Eh ouais. En fait c'est pas bon du tout. J'ai cru qu'il y avait un chemin, en fait il y avait absolument rien et... Je suis parti dans la flotte. Non, en fait ils sont salauds. Ils sont pas gentils du tout. J'ai marre de me faire attaquer par des andouilles en slip. Hein. Et mon esprit de feu là il est... Peut-être Zenzé à gogo. Là il y a un méchant yokai. Tiens. Bah franchement ça je peux pas le péter avec mon épée ça. Non dur. Ouh, il a l'air costaud. Bonsoir. Oui. Dans l'eau. Je peux les faire tomber dans l'eau aussi, oui. Et oui, fatalement. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? J'aime pas du tout ça, là. Je vais me péter la gueule. Encore. Il y en a un là aussi, le mec. Là. Ok, Michel. Ah!
Je préfère déjà être en hauteur. Est-ce que quoi? Oui? Ah! Ah! Alors est-ce qu'il y a moyen par exemple et les endroits où il est judicieux de se laisser tomber? Pas là vraisemblablement. Ça m'a l'air d'être un brave bordel quand même ce niveau là. Ah tiens, il y avait un skeu là. Je sais pas pourquoi, mais. Je sais pas pourquoi c'est souvent dans les jeux de Jap, hein, sauf maintenant avec les Assassin's Creed. Hein. Depuis des années avec Assassin's Creed, il y a. Sur les toits, mais c'est assez japonais le truc de marcher sur les. Comment il m'a plié lui en 2 secondes? Oh. Oh. Patience sur ce niveau, patience. C'est il est vraiment mollo. Ça c'est fait. Donc si je vais sur les toits, il faudrait que je batte le yokai d'abord. Putain, il y a de l'eau partout. Partons là. Tire au pigeon là. Donc le yokai qui est là. Il va pas venir lui. Dégage, s'il te plaît. Dégage, merci. C'est au niveau de la grosse cascade hein, quand même. Ah oui, il y en a un là, non. Ah oui, je l'ai buté lui. Bon, je l'ai déjà buté. On est mune. Putain, il a eu mal. Ça lui a pas plu. J'ai à nouveau de l'arc, ça c'est cool. Est-ce que je vais par là d'abord pour essayer de récupérer le... Ouais, pour essayer de récupérer le... Quoi, quoi, qu'est-ce que c'est que quoi? Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est dégueulasse! Mais c'est de la merde! Mais saloperie! C'est hideux ce truc là, dégage! C'est un blob! Là-bas. Non, mais qu'est-ce que c'est qui me... Qu'est-ce que c'est qui m'attaque encore là? Mais stop, je croyais que c'était mort. Le bidule là.
Il y avait un autre. Non. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ah reviens, c'est bon là. Quelle saleté. Il m'envoie des trucs, il a à l'intérieur de lui en fait. Ah le blob de mes couilles là. Ok, je vais sur le toit là-haut. C'est bon, tu m'as saoulé, je m'en vais. Mais toi aussi, lion. Non, mais attends, qu'est-ce que c'est que cette saloperie là? Mais va-t'en! Je te conchis! Oh voilà, dégage. Allez hop! Chou, chou! Ah, il peut y avoir des trucs n'importe où ici en fait. J'entends le... l'hôtel là. Oh putain, il est là en dessous. Je peux prier là. Mais quel bonheur. Alors, est-ce que je vais d'abord faire un tour pour voir. Le cas est plus là normalement. Puisque je l'ai buté. Le gros là. Et mon le est là. Et il y a une échelle ici. Ah bon? Ah, what? Et ok. Alors. Oh, et puis il y a un petit bubu caché. Ok, nice. Cool, bah viens à la maison, toi. Allez. Zo, rentre chez toi. Ta mère, elle t'attend. Ok. Et donc, oui, raccourci pour le sanctuaire. Oh, oh là là. Pas le moment de faire les cascades. Elle tue tout le moment. Là, là. Et là, je me laisse tomber ici. Et là, j'ai le sanctuaire. Putain, oui. Ok. Ok, ok. Alors, du monde encore ici. Ils m'ont mis où exactement? Ah oui, oui, je vois où je suis. À peu près d'accord. Là, ça va m'ouvrir un raccourci ici. Très bien. Non, mais c'est cool. Déjà, ça m'a fait avancer un chouille. Ok, en plus, je pouvais ouvrir que de ce côté-là. Oui, d'accord. Donc, ce sanctuaire-là, je pouvais y aller que par le toit. Du... Ah non, il y a encore ces bêtes là. Non, non, non. J'aime pas ça, hein. Mais ah, saleté! Non mais... Moi je le nique ce truc en fait. C'est super résistant. Toi je vous appelais super ou résistant? Ah! Appelez-moi super. Ok. C'est quand même vachement virulent comme bestiole. Il va en avoir plein je suppose. Oh, il y a un truc là-bas. Chose. Il y avait un... Oh ah, ah tiens donc. Je me suis dit il y avait un gros bruit bizarre. Oh, faut que je fasse gaffe parce que là c'est un combat pour finir dans la flotte. Salut Datira! Bienvenue! Comme tu peux le voir, je suis dans un endroit un peu merdique.
Oh, ça sentait le piège à andouille, ça, voilà. Et l'andouille, c'est moi pour changer. Bon, mais s'il te plaît, là, les lanciers. J'ai fait un truc que je ne... D'accord, je peux... Ah oui, c'est vrai que j'ai mis ça, je peux foutre un gros coup d'épaule maintenant, là, pour déstabiliser les adversaires. C'est cool contre les stremons qui se gardent. Ok, donc là, il y a un flambeau allumé, protégé par un yokai. Et là, il y a ce con, là. Dégage, s'il te plaît. Merci. Ah, il y a une porte aussi. Soit. T'es con, toi, hein? Dis donc. Bon, ça va être quoi la bébête là? Je pense que c'est, j'en franchement. Ça va. Voilà, ça se gère. Ça se gère, mais faut pas faire n'importe quoi non plus. Voilà. Voilà. Ça, ça va. Donc lui ne reviendra pas normalement. La deuxième fanale. Ça rallume la flamme là-bas. Il y a un petit boubou là qui s'est perdu. Tout petit boubou. Ça va. Il y en a. Allez, rentre chez toi. Ça suffit maintenant. Putain, je suis en train de... Je suis en train de tout casser là-dedans. Oh, joli, joli. Quelque chose d'ici. Ah oui, il y a une autre porte. Ah zut. Zut, zut. Ah oui, ok, d'accord. Et c'est vraiment pas de ce côté là. Très bien, eh bien. Je bouge alors. C'est pas les bidules là où on jette des pièces dedans là pour porter bonheur, ça là? Oh non. Le mec qui a une grosse culture du Japon. Ça, ça s'ouvre. C'est déjà pas mal. Pas souvent que les portes s'ouvrent dans le jeu. Je suis pas allé faire tout bazar là-bas, mais bah, je vais faire le tour en attendant. J'essaie justement d'aller voir à cette porte. Bonsoir. Personne, il y a un truc qui va sortir de l'eau. Non. C'est... Oh, il y a un capin. Ça là, saleté. Ils sont chiants ces trucs hein. J'entends les trucs s'agiter dans l'eau de l'autre côté là, mais reviens. Élu. Ah bah non. Ah bah non. Qu'est-ce que tu... Ah, le petit salopard. Ah, il m'a échappé. En même temps, il n'y a pas normal que ça s'enfuit dans l'eau. Estromae de chanter Kappa Kappa Outé. Pas trop comment je peux rejoindre là-bas. Sur le côté. Malheur 1. Non. Non. Non, 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 je tente d'halluciner. Non, c'est tout pété là, je peux pas passer. Je peux y aller là? Oui. Ok. Merci, bonsoir. Par contre, je piche pas. Comment je peux faire pour aller de l'autre côté? Est-ce qu'il y a encore un endroit où il faut que j'aille me balader sur les toits, peut-être? Non.
c'était prêt, tout ça, c'était prêt. Près de l'eau, tout ça, là. Merde. Viens là, toi. C'est pas ton pote l'archer à la con, après. Alors. Ah bah il est tombé dans l'eau, tiens. Écoutez. Je vais te dire, ça vous fait les pieds. Hein. Oh que j'aime pas ça. Il y a une connerie aquatique qui arrive, je vais crier. Ah y'a un yokai là-bas, je l'avais pas vu le costaud là. Là, là. Putain de merde. Ah! J'ai pas vu ça. Où l'équilibre brise? Mais pour ça. Je pense que c'est par là que je vais justement dans l'autre partie à laquelle je voulais accéder. Descends toi, descends. Que ça se pique. Oula oula oula. C'est... Ouah. Dégage. S'il te plaît, dégage. Je l'ai vu, il y avait un petit bubu caché là, sous une planche. Je vais le sauver. Et la petite ou entre. Ta maman et ton papa ils t'attendent. Au revoir. Je les aime tellement ces petits trucs là. Tellement chou. Alors. Ouf. J'ai moyen envie lui. J'ai plus d'arquebus, c'est mort. J'aurais bien aimé lui mettre un bon headshot déjà pour commencer. Je suis pas chaud de combat sur le toit là. Oh putain, je tire comme un pébron là. Oh! Comment dire que je... Non, 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 non. 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 C'est vraiment pas le genre d'endroit pour faire de la bagarre, bordel. Okay. Et juste ça, c'était de la merde en plus. J'ai récupéré vraiment de la merde. Mais bon. Bien dû, j'ai vu, j'ai vaincu, tout ça quoi. Toi tu vas te réveiller non? Tu fais là. Ah oui? Je vous avais vu. J'arrive où là? J'arrive d'un côté où j'étais pas allé, je pense. Si, non? Je ne sais pas, je ne sais pas. Lui là-bas, franchement. Pour le plaisir quoi. Je sais pas si je vais le buter ou si j'arrive à le faire tomber du bateau. Même pas. Ah non. Si. Ah si, je crois qu'il est passé à la baille. Bizarre, je vois sa barre de vie encore, mais apparemment il est quand même tombé. Ah merci. Ok, si, oui, je suis bien, bel et bien tombé de l'autre côté. Très bien. C'était ça. Oh, il y a un petit bébé juste là. Viens là, toi. Rentre à ta maison.
T'as passé l'heure de jouer dehors. Donc logiquement je vais voir le... Ces trucs sont chiants. En fait, ok, il y a moyen de les tuer au moment où ils sont ramassés sur eux-mêmes et qu'il y a l'espèce de crâne qui dépasse. Ok. Là, il y a moyen de les tuer beaucoup plus vite. Ok, donc là, j'ai débloqué aussi un raccourci. Sérieux, il y avait ça qui me bloquait, quoi. Franchement. Voilà, on part. C'est pas ouf ce que j'ai gagné. Voilà. Merci bien. Au revoir. Oh putain, lui là-dedans, là, non? Non! Caché au milieu des caisses, mec. Enfoiré. Oh! Ce n'est pas grave. Donc si je veux retourner là-dedans, c'est par où? Hein? Non. Par là-bas. Pas de conneries. Là, après là-bas dedans, et après à droite. Ok. Chut. Dégage. Ah bah c'est bon, je suis revenu vite ici, ça va. Par contre, il y a une andouille qui va sortir là. Allez, sort. Voilà, me finis. Voilà. Nice. Ah, il y en a un autre. En fait, ils sont pas si durs à battre. Faut les taper au bon moment. Donc là, j'ai deux Yoki à me faire là. Les Yokis on the block. Hop, hop, hop. Ouh. Dis donc, Jean-Claude. Ah. Oh putain, ça fait mal ça. Ah la vacherie, mais c'est pas vrai. Dégage. Pas rebuté. Oh! Je n'aime pas ces endroits où il n'y a pas la place pour se battre. Putain, j'ai perdu toute mon XP là. Toute mon Amrita. Comme les âmes dans Dark Souls. Oui, oui, mais non. Bon, une autre fois peut-être. Allez. Non, mais alors, c'est qu'il y en a, je pense que je vais pas pouvoir trop éviter le combat. Je please. Genre là. Là, c'est de la merde, là. C'est typiquement de la merde. Swap. Donc non, on ne se bat pas contre les deux en même temps, c'est idiot. Faut pas faire ça. Je savais que c'était con, hein, mais je l'ai fait quand même. Oh la vache! Mais putain! Mais sérieux!
pénible, mon garçon. Quelque chose ne va pas avec lui. Quelque chose ne va pas. Bon après, hein, je suis venu ici pour souffrir. Je sais tout à fait pourquoi je suis là. Non mais comment t'as fait pour louper un truc aussi mastoc là, garçon? Enfin, William, tu es ivre? Non. Bon, celui qui est là, faudrait que je l'attire. Très bien, on y va? S'il te plaît, allez. Merci. Allez, viens. Viens, s'il te plaît. Les chouneuil! Oh bien ça. Quoi c'est? Oh là, il est en transe là. Je suis... Arrête, stop. Merci. Un petit peu fou. Ah, j'ai entendu un petit une copine ou là, qui est quelque part par là, là. Bon, je vais déjà aller ouvrir le coffre. Là-bas. Enfin, par un ton laveur dedans au moins, c'est bon. Ah, mais il y a une source, ok. Et un Kodama ici. Allez, rentre chez toi. Il a une petite boule sur la tête là. Messieurs, est-ce que ça vous dérange si je prends un bain avec vous? On se met bien. Allez. Après, ça leur fait peur. Elle est bien cette source chaude. Par contre, l'accès est un peu. C'est un peu vite fait, quoi. C'est pas top pour y aller, quoi. J'aimerais bien péter ce mur. Hein. Alors, pour le coup, faut que je me retape tout le tour en fait. Non. Non, 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 non. Que j'ai pas chopé ici ou quoi là? Il brille. Ah non, c'est juste un trou de cul qui est dans l'eau là. Donc, bah moi ça continue, alors, Seigneur Goro. Par où j'étais passé déjà? Oui, par le bateau. Non. Merci, bonsoir. Donc. Et bleu. Ok, mon pouvoir est activable. Oh, il y a un temple juste là, là. Il y a un yokai entre le temple et moi, mais... ça fait chier, mais bon. Allez, viens à toi. C'est bien ça, c'est quand je tape les cornes, en fait, je viens de capter que si j'arrive à les ensuquer, c'est quand je tape les cornes. Quand ils ont la tête baissée comme ça, que je tape dans leurs cornes. J'avais pas compris, je comprenais pas pourquoi chaque fois j'avais un coup qui les mettait dans un tel état. Bon,
si je priais, voilà, au temple. Ouais, déjà, ça. Voilà. Est-ce que je peux... Non, bah non. J'ai pas arrêté de crever, donc là, mais... Toute mon XP, mon Amrita, tout ça est passé bah, à la flotte, littéralement. Ok, il me montre qu'il y a... Il y a une échelle là-bas derrière, ok. J'en avais terminé avec cette histoire de bateau, par contre. Je suis passé sur le toit, mais... je sais pas si j'avais tout fait. Oui, non. Oui. Ah. Il est sérieux, lui. Il perd moins 8. Et donc là, il y avait le fameux truc. Où je pouvais sauter à gauche ou à droite, et là je l'avais fait, j'étais tombé là, et là si je retourne là, et par contre pour le coup il n'y a pas vraiment d'intérêt. En fait c'est bon, ça c'est fait. Et là-bas j'étais allé me battre contre le yokai, donc c'est bon. Ça c'est géré. Ah si, ce qui est chiant, c'est qu'il y a le kappa dans la... Il y a le kappa dans le bateau que j'ai pas eu par contre. Ensuite, oui bah ça va de me tirer dessus là, c'est bon. S'il vous plaît. Oui. Je navigue entre les flèches là. Là non. Une autre échelle là-bas, d'accord. Là où je dois aller obligatoirement ou je peux faire un tour. Je peux, mais... Toi, je t'ai vu, toi. Ah non, il est trop bas. Je risquerais de me tirer une flèche dans le pied, là. Ok. Juste une saleté. Je suis ici. Ça dégage. Ah bah en plus il y avait un truc ici. Bien fait de venir là. Et cette histoire de fanal, j'ai pas très bien compris. Là moi on me demande d'où les allumer, je les allume. D'accord, ok, c'était juste pour allumer ce truc là. Ok, donc en fait je pense qu'il va falloir que je retourne au début. J'aille au centre en fait, là-bas là. Je traverse tout ça. Ça a pas l'air d'être pour la teuf, mais. Allez. Ah, mais j'avais pas vu qu'un petit coffre ici là. Lassé, sachez-le. Merci. Oh, tu es un petit canaillou. Tu
me bave sur les rouleaux. Alors. Là-bas, c'est barré pour de bon ou il est toujours là-dedans? Ah! Saleté! Là-bas, c'est barré. Mais va te perdre, oui. Non, je ne joue pas avec toi. Désolé. Une seconde, j'ai... Je me souviens plus où est là. La sauvegarde, là. Qu'est-ce que j'ai foutu? Checkpoint est où, déjà? Je me souviens plus. Oh! Je viens de capter un truc. Oui, il était bien planqué, ce petit coquin, là. Ah oui. Dis donc, toi, là. Allez. À la maison. Il a. Il a coaché vilain. Donc. Que je me. Ah, non, c'est là-bas en face. Ok, le. Je me souviens où il a sauvé. C'est là. Puis là. Voilà. Ok. Puf. C'est pas trop le niveau idéal pour farmer en tout cas. On va pas se mentir. C'est pas le pire. Tiens. Il y en a en dessous là. Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Est-ce que... Oui. Ah, d'accord, le scoop là-bas. Plus mal, voilà, na. Dégage. Si. Ah non! Qu'est-ce que c'est cette chose en forme de ravioli? C'est ce qu'a dit le mec, hein. Je n'invente rien. Donc vous êtes lourd. Il y a un petit boubou caché là-bas en dessous que j'ai vu. Juste là. Alors. Allez. Oh, tous les espoirs. Oh, je les ai tous trouvés. Nice. Cool. Premier coup. Bouton. Bon, bah, ça c'est fait du coup. Lui m'amène où là-bas là? Autre chose. Bonsoir. Oh, Ishpin a une kartoffel. Soit. Oui, bon, ça suffit les blobs là. Donc le mec trouvait que ça, ça ressemblait à un ravioli. Je l'ai pas bouffé chez lui. Hein. Je fais n'importe quoi. Bonsoir. Bonsoir, oui. Je fais n'importe quoi, profitez-en.
Oui, il y a beaucoup de monde là. Ça c'est que je m'impatiente pour ça, c'est que j'ai envie de passer déjà à la suite. Et du coup, bah voilà, je fais de la marde. Donc déjà on va tuer Jean Guignol là qui est ici et qui me fait chier. Ah bon, il est pas mort. Ah bah oui, continue, fais-moi mal. Laisse-moi avec une pelle. Bon, lui, ça devrait pas être sorcier quand même. Voilà. Putain, compliqué tout de même. Le jure. Pardon. Waouh. C'était salaud ça, mais complet. Voilà. Un Jean-Michel jumpscare là. J'étais pas allé ici, non, j'étais pas allé ici. Lui là-bas là. Rouliche. Il est pas mort, je suis un peu déçu. Je vais one-shotter beaucoup plus. Ah bon, mon dieu, non! Non, mais en fait. S'il vous plaît, niquez-vous. Voilà, toi. Le level design là, il est ultra méga tordu dans ce niveau. Hein. Après, il est cool. Hein. Attention. On ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Il est tordu, mais cool. Ouais, ouais, non, le niveau est vraiment cool. Il est vraiment très bien. Je meurs comme un enfoiré, mais. Le niveau est très très chouette. Il y a beaucoup à explorer, c'est cool. C'est vraiment pas simple de naviguer. Très bien. Très bien ça. Bien ce genre de niveau. Bon, il en faut pas tout le temps, hein, parce que sinon après c'est un peu la crise. Je suppose qu'il va y avoir du boss après vers là-bas. Donc là ça me fait rejoindre. Et comme ça. Là il merdouille dans l'eau avec. D'accord. Je suppose que là-bas c'est du boss, hein, mais. Teniez-vous éloigné des yokai là-haut. D'accord. Oui. J'ai plus le produit là. Dans des endroits plus à la con encore les coffres.
Il y avait apparemment trois flambeaux allumés que j'ai allumés. Donc ça devrait être bon si je dis pas de bêtises. Quelque chose va derrière. Oui, un blob à la coupe. Bon. Voyons voir le boss. Putain, William, cette terre là. Qu'est-ce qu'il est constipé, ce garçon? Serpent, serpent aquatique, non? Ah ben non, le fameux qu'on avait vu en bateau, il m'avait dit de toute façon, William, vous ne pourrez pas battre ceci. Mais apparemment, je vais être un peu obligé, le Umibozu. Est-ce que quoi? C'est lui qui a tiré ça, là? C'est lui qui tire des espèces de lasers comme ça, là? Il m'envoie des bouts de bateau, hein. Tout va bien. Le mec est chaud, quoi. Je vais tellement mourir contre lui. Il est très gros et très con, lui, dis donc. C'est le plus près que j'ai là pour le boss, comme... comme lieu de téléportation, hein. Enfin, de checkpoint. Ça me quand même un petit peu... Ah oui, mais non, mais vu que j'ai buté lui, là, ça va. Oui, non, c'est pas très loin, en fait. Non, non, ça va, ça va. Par contre, enfin, il a l'air un peu copieux, non? Bon, il m'envoie des bateaux, quoi. Le mec m'envoie des bateaux. Il y a un truc à faire avec ça ou pas du tout là? Ah, toucher de la... Ok, ok. Pour imprégner l'arme de feu, d'accord. Wow, il est très beau. Qu'est-ce qu'il est donné? Ah mais non! Est-ce que je peux le rallumer? Oh pitié, non? Oh yeah! J'ai plus de... J'ai plus de... De feu! Ce gros con là. Aïe, mais ça je suis oblitéré quand il fait ça. Il m'a déchiré la gueule. Pâcherie. Putain. Est-ce que j'ai un charme de protection contre la flotte de poison? On s'en bat les couilles.
contre. D'eau, oui. Voilà, merci. C'est bon. Un autre. Voilà, je vais mettre de la résistance à l'eau. Là, putain, qu'est-ce que j'ai pris, quoi. Je pensais pas qu'il serait aussi copieux ce niveau là, mais. Le boss qui... Je le sentais venir d'ailleurs, le truc du boss, quand on l'a croisé en bateau, qui m'ont dit: oh, ça, William, mon grand, tu peux pas te battre contre ça. Bah, forcément. Forcément que si. Et je fais comment quand il y a plus de feu sur le truc? Je suis niqué en fait. Aïe! Ça suffit, hein! Ok, il arrive. Je me suis pris un bateau dans la gueule. Ok, 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 ok. Tu peux, oui, voilà, s'il te plaît. Et William, reste pas la vie des rats là-dessus non plus, là. Il s'est déjà barré de là. Pour une merde. Oh, il est là, d'accord. Oh, putain, il en envoie. Il en envoie. Il envoie des copains à lui. Oh, la vacherie. Non, non, vite. Oui, 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 oui. Non. Alors les petits loulous là, les copains, non. Je suis pas d'accord. Non. Ah, nom de Dieu. シャトゥ・ド・サヴィエヴァ。私は大名に。毛利では異国の者まで連れておったぞ。東国の守備はどうじゃ。大谷京子殿。これ、セレザ・アドベルサイユ、セレメッション。しかし、東国は今や徳川が本気。イレ、イレ、トレ・トレ・ビアン・サペ、スウシ。オイ。トレ・ビアン・サペ。 三成殿も人気がないの。いやはや全く。いや、見えんトゥークライラレプ、スウシ。ここまで嫌われることができましょう。ならば、もののわからぬ大名どもに、今一度義を解こう。
Alors moi, les histoires de mecs avec des chignons, là, ça me... Oh merde. わしらも異国の者に頼ると申すか。 Mais qu'il est vilain celui-ci. À bouler les récompenses. Ok. Ok. Chose débloquée, dis donc. Déjà, je me rééquipe. Non. Rééquiper avec les. Charme que j'avais qui était un peu plus vénère. Voilà. Pas mieux ça. Est-ce que j'ai chopé que de la marde ou est-ce que j'ai chopé des trucs bien aussi là-dedans? Il y a beaucoup de marde, mais... Ah si, il y a maillet de chaîne qui est mieux. En armure... Ah, déjà là aussi... Ah tiens, qu'est-ce que c'est que ce fusil là? Un beau fusil! Quoi comme mune qu'il faut? C'est de l'arquebuse aussi? Ouais, c'est comme une arquebuse en fait. Et... Et 210, oui, c'est mieux que ce que j'ai. Parce qu'elle a bonus dans le 1000 plus 9. Ouais, mais une familiarité de merde. Enfin, non, de, une rareté de merde, donc c'est pas le top. Et les arcs. Les arcs, j'ai trouvé mieux. Ça. Armure toujours plus ridicule. Oh, ça avait l'air chouette ça. Ça, c'est une armure genre ninja. Ça c'est le truc avec les pompons là, ça a l'air dégueulasse. Et ça pour le moment puisque j'ai tout le... La panoplie. Je pourrais avoir mais ça fait plus ninja ça. De toute façon c'est mieux ce que j'ai. Celle-là, 80 c'est mieux quand même. Armure d'unité embusquée, ouais mais pas. Mes bons bonus de panoplie, je ne veux pas les perdre. Alors du coup je vais aller... Ah oui je sais, au dojo j'ai plein de missions. Oui, je les ferai après parce qu'elles sont pas passionnantes, les missions dojo. Faire des offrandes. La hache que j'ai... Hein? Ah 220 c'est mieux. L'arc Yomi est dégagé, je crois, si je dis pas.
Allez, enchaîne 188. Ah oui, ça c'est mieux. Canon portatif. On les donne des canons portatifs. Ou 245 celui-ci là. Tapé comme marteau ça. Non. Celui-là que je dois dégager. Ensuite les Kusarigama. Bien 200. Je crois que celui que j'ai modifié là il est. C'est vachement bien. Ah non, 193 000 move. Ça c'est quoi? C'est les épées comme moi? Non, c'est de la merde par rapport à ce que... L'inventaire, franchement, c'est un peu bordel. Enfin, on boit 159. C'est de la moto de gamme. 192. Ah bah c'est les mêmes. C'est... J'ai déjà. Et ouais, ce fusil, c'est pas des notes plus. Ah, c'est comme ça. Et là, on va tout dégager à la poubelle. Peut-être pas celle-là en fait. Regardez les mauves au cas où. Je sais jamais. Est-ce qu'il y a une panoplie ça? Non. Bon, ça je peux dégager du coup aussi. Ah, qu'est-ce que j'ai reçu comme caleçon là? C'est un truc de fou. Hop là, voilà. Ensuite, est-ce que je peux monter dans le niveau? Cool. Ça. Ok, donc j'ai des missions bonus maintenant qui sont débloquées, c'est ça. J'en ai une là et j'en ai une dans ce niveau là que je viens de faire. Héritier du Nioh, esprit protecteur Hinezumi. Nezumi, c'est le rat, non? Nezumi, je crois que c'est le rat. Texte ancien, Hiromitsu. Ok, il y a un texte aussi ancien chopé. Et là, mission le pont d'ossement. Je vais peut-être pas refaire une mission directement dans, le, dans l'autre stage qui est... je vais aller voir ici. Putain, lui, ce casque, monsieur, c'est vraiment pas possible. Vraiment, c'est pas possible. Merci d'être venu, j'ai reçu un message de l'un des villages de mon domaine. Il dit qu'au milieu de la nuit, des bandits apparus de nulle part se sont rassemblés sur le pont d'Ohashi pour les attaquer. J'ai rassemblé mes samouraïs les plus puissants pour me charger du problème, mais pourriez-vous nous prêter main forte? Nous pourrions certainement en avoir besoin et le temps vous est compté. Écoutez, émote retenir un rire, texte ancien peau gluant, bah dis donc, tout ça promet beaucoup, oui, on va aller faire ça. Ça a l'air génial. Depuis les temps anciens, les ponts ont constitué un élément indispensable pour le transport. Cependant, certains ponts ne relient pas seulement deux points dans l'espace, mais aussi deux royaumes, celui des Yoke et celui des humains. Quand la nuit tombe dans certains endroits, les ponts sont fermés et des gardes sont postés pour empêcher d'étranges choses de traverser. Et c'est quoi, grosse baston sur un pont ou... Où suis-je? Couverge ou courge? Dans quelle étagère? Ah oui, les fameuses barrières en bambou infranchissables. Apparemment, ouais, ça va se foutre sur la gueule sur le pont, quoi. Apparemment, c'est ça l'histoire.
Une armure de Vauréen. Ah oui, certes. Ah, ça lui a rien fait. Ah. Il m'a eu quand même, lui. Toi, oh, tu m'as un peu sous l'axe, là. Merci. Ouais. Merci, dégage. S'il te plaît. Ah ouais, mais c'est une armée de yokai, en fait. C'est pas du tout une armée de bandits, là. Fallait prévenir, là. Ah mais vert apparemment c'est le vent. Aussi le poison mais là apparemment c'est le vent. Putain. J'applique mes bouts. Ça va être une grosse bagarre sur un point. Ah ok, première vague passée c'est ça. Eh, je l'avais vu sur l'écran de chargement qui avait une coiffe. Ah oui. Malin, j'ai regardé. Ok, putain, ça a l'air d'avoir chié là-bas en face là. Qu'est-ce que. C'était quoi ça? Ah, des blobs! Oh putain, je l'ai raté, il avait pris sa pose à la con! Ça les amrita démoniaques. Là. Ah, il y a du monde qui est mort là. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que. Bonsoir. Monsieur, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé à toi? T'es sûr que ça va? Je pense que s'il me chope là comme ça, il doit me faire grave mal. Monsieur est en fureur. Ok, j'ai ma super attaque qui est prête. Ça, c'est cool. Et deuxième vague passée. Ah oui, puis faut pas tomber là, dis donc. Tué par Oni Yudo. Noyé. Ok. Ouais, donc il y a moyen de se faire de la grosse gamelle quand même. Ah putain, je vais ces trucs. Non. Putain, ça s'est passé, mais alors très près là. Putain, mais tu. T'es bien en forme là. Tu peux me refaire toutes les vagues à chaque fois. Ou pas. Apparemment pas. Ah c'est plutôt cool ça. Ouais ça c'est cool. Pas trop chiant du coup. Ça c'est vraiment de la grosse merde par contre. Putain tu m'as soulagé, mais tellement fort quoi. Qu'est-ce qui m'a saoulé? Ok, c'est bon. Tu m'as gavé. Tant pis. C'est un peu gâché, mais franchement, il m'a un peu saoulé. Il y en a d'autres? Ah oui, ok, d'accord. Il y en a d'autres. Bah, j'ai bien fait de mettre ça finalement. Ok, putain, je m'en suis sorti là. Il reste encore une vague ou pas? Bah oui. Bah oui. Putain, par contre, c'est super chiant là. Il y a leur zone de merde là. Non. Oui.
été tué par qui Ah voilà, d'accord, ok, d'accord. Ouah. Ok. Et c'était cool. Et c'était bien, c'était un peu intense. C'était cool. Lâcherie. C'est une mission purement bagarre. Ouais, je m'en suis plutôt bien sorti, ça. Comment ça une seule fois? Donc ouais. Oui. Ok. Merci pour les petits cadeaux. Ah, il y a d'autres missions annexes en plus. Ah, un autre, encore un autre esprit protecteur, d'accord. Très bien, bah je veux. Là. 189 celui-ci et mauve c'est mieux. Oh, elle est belle cette hache là. Elle est rigolote. Regardez. Je vais faire des dons. Ah, j'ai pas regardé pour les. Merde. 106 armure de Voréa. Eh ouais, mais ça c'est pareil, c'est pas un. De toute façon, c'est pas des panoplies. Donc rien à foutre, en fait, je peux le dégager. Ça, 55. Et ça me nique ma pareil ma panoplie pour le moment. Il y a un moment où ma panoplie elle sera plus d'actualité. J'en change. Pas une offrande. Alors, ceux-là, je vais les garder. Tirer ceux-là. Ça, je vais virer. Confa, là, ils sont. Ah ouais, mais ils sont. C'est du blanc, je veux dire. 13. Il y a quand même. Ça va. Un peu le ménage. Alors non, ça je vais les. Ça je vais les démonter plutôt. Démanteler pour avoir des ingrédients de forge. Non, c'était là le forgeron. Hop, forgeron. Oui. Les données texte ancien, d'accord. Verrouiller un nouveau truc. Peau gluant, rempli d'un liquide gluant, lancez-le sur un ennemi pour l'empêcher d'utiliser des objets ou de changer d'arme.
Ah! Pour le fabriquer, il me faut une langue convulsante. Brass! Enfin. Démantelé. Voilà. Hop. À tantôt, oui. Tantôt, madame. Du coup, je vais aller faire une mini pause pour lui. Je vais revenir. A tout de suite. Est-ce que Daronita est dans la place? Elle est là, non? Est-ce qu'elle est là? Qu'est-ce que c'est cette autre mission là? Une autre mission secondaire ici, l'héritier du Mio. Une autre mission secondaire, les constipateurs. Ah, évidemment. J'ai lu les constipateurs, hein. Donc il y a deux textes anciens et un esprit protecteur. Par contre, le niveau de mission est assez costaud. Ça, ça a l'air plus tranquille. Mais je vais quand même... allez, on va quand même tenter ça. Il y a trois petits boubous à récupérer. Allez. Anjin Sama, toutes mes excuses pour vous convoquer si fréquemment. Je vous ai appelé aujourd'hui car mon épée la plus précieuse a été volée par des bandits. A été volée. Et eux? Et alors? Les fautes, là, hein? Par les bandits qui ont pris d'assaut mon palanquin. J'ai pu m'en sortir indemne, mais comme vous le savez, l'épée d'un guerrier toute sa vie, je dois la récupérer. Moi, dit Hideaki, vais oblitérer ces bandits et retrouver mon épée moi-même. Enfin, c'est ce que j'ai pensé au début, mais en tant que chef de clan, ce serait irresponsable de me jeter la tête la première dans la gueule du loup. Pourriez-vous partir à sa recherche à ma place? Me pire sur mon petit chat, il a vraiment une tête à claque, toi. Une tête de con, celui-là. Une cote... non, c'est quoi? Une côte menaçante qui a causé de nombreux naufrages. Est-ce en raison de courants inhabituels ou d'autres pouvoirs plus occultes et sinistres? Nul ne le sait. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est connue des autochtones sous le nom de cimetière des navires. Comme si cette lugubre description ne suffisait pas, dernièrement de nombreux matelots déclarent avoir aperçu les esprits de défunts et des yokai le long de son rivage. Ça fait peur. Et donc il y a trois petits pépères qui sont cachés ici. Oh, c'est joli encore tout ça là. J'aime. Bonjour, joli matelot. Comment allez-vous? C'est quoi ce saut que j'ai fait des enfers? Ah d'accord, le bateau me tire dessus. Je me suis pris un boulet de canon en travers la quiche. J'aime pas trop. Oui, c'est ça, voilà, d'accord. Est-ce que je peux éventuellement... Non. Il y a quelqu'un qui tire avec, hein, mais... Ah si, si, il y a une personne. Oui, là. Ah oui, oui, si. Il y a bien quelqu'un, mais je suis pas assez près. Il y a une andouille qui me tire dessus. Et donc, il y a trois Kodama à trouver. Hop là! Run!
Oui, qu'est-ce que... Oui? Ah d'accord, ok, j'ai vu. Oh, 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 oh. En voilà qui n'a pas aimé. Oh mon gaillard. J'arrive à t'attraper là. Ah, j'arrive pas à le viser ce con là. C'est bon. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il va où là? Non mon garçon, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es ivre? Ah, où il est passé? D'accord. Bah écoute si tu veux. Au moins tu tireras plus ton canon de merde là. Ah, tiens donc, y voilà. Dis donc toi. Coquinou que tu es là. Allez file. Bonsoir monsieur. Oh le con, il est bloqué, il était bloqué sur un truc. D'un coup, son intelligence était toute artificielle. C'était là-haut. Dégage, merci. Va te perdre. Va bien te faire cuire le cul, toi. Ah oui, dis donc. Du monde ici. Ah! Tiens. La réserve de poudre tout ça. J'aime bien parce qu'ils ont des missions secondaires qui peuvent être vachement copieuses quand même. Et c'est cool. Ah, j'ai entendu. Deux par ici. Oh, mais c'est vachement plus long que je pensais là, ce niveau-là. En fait. Oh putain, je t'ai pas vu toi. T'as fini, oui. Calme, tu te respectes un peu, hein. Qui, quoi, où, comment, qui. Oui, il y avait une tête par terre. Oui. Qu'est-ce que... C'est pourquoi. Venez, ouvrez cette porte, mon dieu. Mon garçon, là. Tous ces hommes en slip qui m'attaquent, là. Ce merde là. Dégage. Merci.
J'ai pas eu d'autres panoplies d'armure sympa du coup depuis les pièces d'armure sympa, mais pas de. Pas une autre panoplie. Ah! Pour la découverte de l'autre côté. Si dehors j'avais fait tout ce qu'il fallait. De toute façon, je vais pouvoir revenir sur le côté là. Ouais. Ah! En plâtre, tiens! Attention, colère en slip. Non, je vais descendre là. Ah, mais je capte. Si j'avais tiré là-bas, en fait, avec tous les machins qu'il y avait là, tous les barils de poudre, j'aurais fait un massacre. Du boulot de tir avec. Hein. C'est pas moi qui me fais tirer dessus, ça va. Dire. Double canon! Ça ne sert apparemment à rien, hein, mais je le fais pour le fou. Ah, ça me rappelle les bonnes parties de Sea of Thieves. De toute façon, il y a l'air d'avoir pas mal de trucs à faire ici. Ils sont grands ces bateaux, putain, c'est des HLM ou quoi? Oh là, allez, qu'est-ce qu'il y a? Dis donc, toi, qu'est-ce que tu foutais là? C'est toujours un tel plaisir de leur tomber sur la quiche comme ça là. Chose de ouf, hein. Cependant, au niveau du loot. Eh bien, c'est que j'ai des munitions pour mon arquebuse. On commence à me baver sur les rouleaux là. Feu sur tout le monde. Donc là, apparemment, il y a de la cascade un peu à faire. Non, ça va, ça n'a pas l'air trop compliqué. Ah, bah déjà toi là. Vu, nounouille, oui, j'ai une andouille, oui. Ah oui, j'avais tué un gonce qui était là-haut. Je vais me là-haut. Je vais pas me casser la figure. Voilà. Qu'est-ce que tu branles ici, là? M'explique. Les filles. Une andouille. Tout cassé. Comment ils sont montés sur le bateau tout à l'heure, les types là? Ils avaient l'air d'être montés genre en mode comme ça, la YOLO. Ah oui, en passant par le par là-haut. Oui. Hop. Ah. On passe, hein, non. Ouah, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est, cette saloperie là? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Ah, il était tête! C'est une bonasse de l'eau! Ah, au secours! Non, madame! Non, madame! Non, madame! Elle m'a complètement ralenti là. À la con! À la con! Non, 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 non! À la bougresse!
Ah bah bien lui elle. Ah c'est de la saloperie hein ça. Dans la quiche, monsieur. Oui. Merde, il m'a touché ce coup. Bonsoir. Faites très attention à moi. Je ne fais que passer. Oh la vache! Ok, je suis peut-être allé un petit peu. Je suis un petit peu précipité. Allez, venez tous les deux là. Canon. Lui, j'ai oublié de le dégager. Allez. Putain, chieur. Il chie aussi. Tu peux avancer là derrière le caillou? Ah oui. C'est ça que j'avais fait, il était venu me faire chier. Reviens! Allez! Le pauvre, il se tape un tour là. Et lui, il se fait pas attaquer par le yokai, et ça, je trouve ça scandaleux. Moi, je me suis fait attaquer par la dame. Hein. Toi-même, hein, dis donc. Calme, tu te respectes. Et tu bois frais à Saint-Tropez, s'il te plaît. Donc là, il y a une andouille qui sort. Ah, voilà. Bim. Appréciable le petit coup de pommeau dans les dents là. Bonsoir. Non. Ouais. C'est pour aller de l'autre côté. Apparemment, il y a des cadavres. Apparemment, ça chie de rue là-bas. Oh merde, les élus là! Super slip là! Non! Donc.
coup, là, je vais essayer. Normalement, ça devrait faire exploser tout le monde. Est-ce que ça marche? Bon, ça en a fait exploser un, hein, quoi. Et encore, il est pas mort. Je suis assez déçu, là, du résultat. On a quelque chose de mieux, quand même. Hein. Ouais, non, franchement... pas ouf sur 20. Ouais, non, très, 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 très déçu. J'essaie d'aller me refaire le yokai là-bas, là. Un petit peu gonflé. Pas obligé en vrai, mais... Non mais en fait... Non. Alors non. Ça commencerait très mal cette histoire-là. On va faire un truc. Par le pouvoir du clan ancestral, je détiens la force toute puissante qui mène. Quel autre, hein. Donc là la flèche chenique, lui je peux le dégommer à la flèche d'ici. Dans la tête. Au revoir. Là je cours. Pour éviter les bullets de canon. Là. Là je fais comme ceci. Pour énerver monsieur. Monsieur se disent oh ben enfin mec à la fin. Ah non il vient pas par le même côté ce coup-ci. J'espère. Non non mais non mais non. Pourquoi j'ai voulu insister sur la flèche là? Oh ça me tend. En effet, elle est dure cette mission. Et je suis un peu un âne aussi. Non, s'il te plaît. Calme-toi. C'est chiant de l'avoir lui là. Oh je l'ai buté. Ah bah d'accord. C'est pas. Me retaper tout le bateau si je dois. Mais... Si tu veux. Si je pouvais me taper les. Oula! De langue.
Aïe aïe aïe. Ah putain, me ralentis, mon dieu. Ouah. Alors que revoilà la soupe faite. Voilà, déjà ça, ok, il reste plus qu'elle et moi. Morue. Mais non, mais... Ah, elle est chiante, hein. On va laisser autrement, hein. Madame. Là, vous commencez à me baver sur les rouleaux, je vous le dis tout de suite. Ah. Bouge pas. Ne bouge pas, c'est super. Là, là, franchement, la photo va être géniale. Vas-y, comme ça, continue, c'est génial. Voilà. Ne change rien. Ah, mon dieu. Ah, c'est vraiment une saloperie, ce truc, hein. Ah, j'ai plus de... Ah, c'est un problème, ça, tiens. Putain, mais la portée du truc. Quelle merde. Ah, m'a ralenti. M'a ralenti. Beau graisse. Non. J'y vais vraiment comme un salaud, mais bon... Clair que c'est plus rapide quand même. Elle est où? On voit pas là. Ouah. Non. Pas commode. Batterie. Elle bouge plus. Putain, putain. Non, ouais, elle m'a vu. Ça. C'est une horreur, ce machin là. Mais quelle saloperie, ce truc. Si c'est ça les prochains ennemis, là, ça va... Ça va pas le faire du tout, en fait. Bon, là, on va pas se le cacher, je vais canner. Hein. Plus de remède, rien. Oh, je redescends... Ah oui, comme le type tout à l'heure, je redescends par là. Bah, je vais passer au... De toute façon, je suis obligé de repasser. Là, hein, je vais faire réapparaître les ennemis, puisque... Elle m'a dépensé, elle m'a fait dépenser mes élixirs là. Qui est-ce que j'ai ramassé, putain? Atroce cette bestiole là. Vraiment atroce. Quoi? Voilà. Le brise-garde. C'est bien ça. C'est bien ça. Qu'est-ce que c'est cool. Ouais, mais je sais pas les forcer les deux lascars là. Allez, venez là. Bien sûr. Lui là, Georges Houssine, là, je sais même pas. Je sais même pas sur lui. Je sais pas. Oh cool. Et
Et toi aussi, tu m'as bien bandé. Il est tout fâché, il va faire le tour là, il est tout fâché. C'est parti, allez viens. Le mec qui fait tout le tour du bateau, tu vas voir. Et il ramène même pas tous ses potes, qu'est-ce qu'il a fait? Il a perdu toute son endurance, qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé dans l'eau tout seul ou quoi? Ma foi. Ah non, il est là, ça y est. T'en es sorti? Ça avait l'air compliqué quand même, hein. Oui, hein. Ça avait l'air assez difficile pour toi. Hein. T'arrêtes de faire le mariole parce que... Comment ça se fait que j'ai si peu de... J'ai déjà plus de vie d'élixir en réserve? Ah mais non, putain, j'avais changé de page. Pitre que je suis, il m'en reste. Ça se trouve, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure en plus. Ah, ça se trouve il m'en restait. Non je pense pas, je crois vraiment que tout à l'heure j'étais Ok donc en toute logique je peux avancer maintenant. Oh, je t'avais oublié, excuse-moi, je suis désolé. Hein. De toi. Je crois que... Ouais non c'est bon. Pas le déranger, il fait le dos. Bon cette partie là j'ai fait sur le bateau là c'est bon. Ok. C'est la deuxième partie. Il y a grave de monde qui est mort là. Pas super bon signe. Putain. Et... Nice. Il y a un truc qui craint vraiment là-dedans, apparemment. Qu'est-ce qui les a tués? Noyés. Il y a un truc qui les a fait tomber dedans. Qu'est-ce que c'est cette merde ici? Ah ça va. Et moi je dis ça va. Bah non ça va pas. Il m'a dégommé ce con là. La faire la warrior un peu là. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Mais enfin, mais ça va pas la tête. Non, mais. Précipitation rime avec mort de couillon. Mais je vais quand même le refaire parce que je suis un peu con. Je vais voir si je peux tracer jusque là-bas en effet sans avoir à me bouffer tout le monde là. Ça le fait. Voilà. Ah, par contre, le jeu a ralenti de ouf là. C'est... La bougie d'invocateur. Ah, ça continue dans une grotte. Pardon. S'il y a moins de trous d'eau, ça me va, hein. Par un guerrier squelette. Est-ce que oui? Voilà! C'était tout mignon!
Alors tout mignon, toi tu fais rien toi. Une blague ou quoi? Qu'est-ce que cette grande porte là? Ils sont pas là-dedans là. On va d'abord aller voir par là-bas, hein? Y a rien du tout. Ah, si, il y a quelque chose. Mais est-ce qu'il y a encore un mur fantôme à la con là? Parce que je suis obligé d'aller dans cette autre espèce de salle qui fait super peur là-bas. Là, de toute façon, je fais plouf là. Là, c'est le grand plouf. Non. Mais avec je vais dans la grande salle. Hein. Allez, peut-être quoi ici? C'est la fête à Babar ou... Je ne vois pas d'autre issue d'ailleurs. Je vais prendre ça et il y a du monstre qui va débarquer. Ça. Oh les ninjas, mon dieu! Les ninjas! Ils sont légion les ninjas, bon ils sont deux. C'était donc là l'œuvre de ninja? Allez les bombinettes là. Adios la cabeza! Qu'est-ce que c'est? Un yokai! Moi je les aime pas ceux avec les doubles katanas là, ils sont chiants. J'ai mon jeu qui rame du cul. J'ai vraiment l'impression que ça rame du cul. Ils sont terminés. Mission terminée, oui, mais non. Parce que... J'ai pas tout trouvé, en fait. J'ai pas tout trouvé, il y avait des trucs là-bas. Il manquait un petit peu de goût, en plus. Pas me laisser sortir à tous les coups. Putain! Okay. Je commence à avoir mal dans le bras, moi. Ça y est. Le petit vacciné, peut-être? Est-ce que... Pathétique titre, éclat, loyauté et honneur, tout. Ishidaka Tokunawa Kanado Makoto Kudaranu. Yoga Dokegata Tonari Kakimashite Yarou Kanou. Oui, son esprit, c'est la chauve-souris démoniaque, c'est ça? C'est Oreille de Lapin, en fait, il est méchant, c'est ça? C'est des oreilles de chauve-souris? Ah! Ayako Mori via la division de l'esprit. Ok, mais c'est ça l'esprit de la chauve-souris. Excusez-moi, la chauve-souris. Oui. Il
Qu'est-ce qu'il m'a dit le jeune là? Bon, l'épée, vous l'avez retrouvée. Tous mes remerciements, Jin-sama, l'épée d'un guerrier, ses habits. Non, son... j'ai eu son âne. C'est à cause de ses oreilles, son âme. Quoi donc? Un yokai ninja, vous dites? On n'arrête pas les prodiges. Bien, vous êtes en vie et c'est tout ce qui compte. S'il vous plaît, prenez cette épée en gage de gratitude. J'ai encore tant à vous demander. Si vous êtes con. Donc là, il me manque... Eh oui, il me manque des petits bibis ici. Là. Donc, un... J'ai pas trop compris comment, pourquoi, je peux... ouais, j'ai pas trop pigé comment y aller. Bon, mais je vais arrêter là, pour ce soir, je pense. Je suis fatigué. Je vais faire mon inventaire, je vais faire le dojo, tous les trucs chiants dans le jeu, voilà. Et puis, je vous dis à tantôt, voilà. Au revoir et... bonne soirée.